Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Surtout, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner pour de plus belles vidéos. Merci. Dans cette vidéo, je vous présente une méthode pour pouvoir lire les messages supprimés de WhatsApp. Surtout, concentrez-vous et restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne serez pas déçus. Pour commencer, nous allons télécharger une application, oui, celle qui va nous permettre de pouvoir lire les messages supprimés. Voilà. Donc, vous entrez dans Play Store, vous tapez Notification History. Voilà, exactement comme vous le voyez à l'écran. Voilà. Et ça apparaît. Vous choisissez la première, celle qui est juste devant. Voilà. Et vous installez. Donc, le téléchargement va bientôt commencer. Donc, on patiente un peu. On attend. Et voilà, ça commence. Donc, vous attendez jusqu'à ce que le téléchargement se termine et que ce soit installé sur votre téléphone. Voilà, ça commence. Voilà. Et dans quelques secondes, voilà, c'est installé. Donc, vous appuyez ici, ouvrez, et vous ouvrez l'application. Dès que vous ouvrez l'application, voilà, il faut que je vous dise, parce qu'il y a certaines autorisations que vous devez donner à l'application pour qu'elle accède aux notifications de votre téléphone. Donc c'est ça. Dès que l'application s'ouvre, vous cliquez sur Advanced History, voilà, et puis après sur Enable Permission. Juste après, voilà, vous allez autoriser l'application à accéder aux notifications. Oui, vous appuyez ici Autoriser. Et voilà, c'est fini, vous pouvez revenir en arrière. Voilà tout ce qu'il faut faire. Désormais, vos messages WhatsApp, dès qu'ils seront envoyés, supprimés, s'afficheront exactement ici. Voilà, tous vos messages qui sont supprimés s'afficheront désormais là. Et vous verrez les messages supprimés. Donc c'est tout, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour de plus belles astuces. Aimez la vidéo et à bientôt.